Je parie que tu t'es déjà demandé si une personne était amoureuse de toi et que tu as eu recours aux magazines, aux sites internet ou à des amis pour tenter de déceler des signes dans le visage parfois inexpressif de ton crush. C'est vrai que des fois, il n'est pas facile du tout de savoir si quelqu'un est intéressé par toi ou pas. Tu peux certes lui demander directement, mais il est bien plus sûr de t'installer confortablement et de regarder cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, nous nous intéressons à 5 signes qui montrent qu'une personne vous aime. Le flirt. La séduction a toujours été considérée comme l'un des signes évidents que quelqu'un s'intéresse à nous. Mais là, on ne parle pas d'une séduction ordinaire que tout le monde fait un peu par habitude, mais d'une séduction spécifique qui ne va viser que toi. Tu sais, par exemple, quand ton crush fait tout son possible pour attirer ton attention et que quand il se rend compte que tu l'as remarqué, il semble tout d'un coup devenir nerveux et pas très sûr de lui. Eh bien, c'est peut-être qu'il te kiffe, mais ne nous arrêtons pas là. Les regards. Tu sais ce qui arrive quand quelqu'un qui est amoureux de toi te regarde? Eh bien, son regard va instantanément paraître plus profond et plus insistant que la normale. Et si en plus ses pupilles semblent très dilatées, qu'il essaye de croiser ton regard le plus possible ou même qu'il te fixe constamment, c'est un signe presque certain qu'il est attaché à toi. Voyons maintenant le troisième signe. Les caresses. Lorsqu'une personne veut définitivement attirer ton attention, elle peut essayer de te caresser accidentellement pour te montrer son intérêt. La personne va le faire d'une façon très respectueuse et généralement après avoir discuté avec toi pendant de longues minutes. Ce sera souvent quand elle va sentir que tu te sens en confiance et détendu, par exemple quand tu es en train de sourire ou de rire à ses blagues. C'est alors qu'il va tenter de te toucher les mains ou de te caresser les cheveux. Et s'il va plus loin et essaie carrément de poser son bras autour de ton épaule, c'est un moyen encore plus incontournable de te montrer que tu lui plais. Rester seul. Si une personne est très intéressée par toi, elle va saisir toutes les opportunités qui lui permettront de se retrouver seule avec toi, histoire de parler tranquillement sans que l'on vienne vous interrompre. Bien sûr, elle va le faire sans arrière-pensée, juste parce que la personne à qui tu plais a envie de passer des moments sains et agréables avec toi. Remarque bien si, comme par hasard, vous vous retrouvez souvent à deux dans des lieux publics, comme par exemple dans un café, à la cantine de ton école ou à la buvette de ton université. C'est peut-être pas pour rien. Voyons maintenant le dernier signe. Prêtez attention. Si une personne t'aime réellement, tu peux t'en rendre compte facilement juste en suivant ton instinct. Oui, la personne qui est véritablement intéressée par toi va chercher souvent à avoir de tes nouvelles. Elle va se rappeler de chaque petit détail qui te concerne et de toutes les histoires que tu lui racontes, à la différence d'une personne qui ne s'intéresse à toi que pour de mauvaises raisons. Cette dernière, elle, ne portera aucun intérêt à ta vie et ne se préoccupera presque jamais de ce que tu ressens. Alors, dis-moi si tu penses que la personne pour laquelle tu craques ressent quelque chose pour toi et te montre tous ses signes d'intérêt. J'espère t'avoir aidé à décoder un peu plus cette personne. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. À demain !